pont. Fais le mou, fais le mou. Sors le pont, sors le pont. Fais le mou, fais le mou. Sors le pont, sors le pont. Fais le mou, fais le mou. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. Salut tout le monde, c'est Monsieur Didou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour vous présenter la nouvelle super sportive qui est sortie sur le Legendary Motorsport. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il en est et je crois qu'a priori elle est vraiment très très chère. On va voir ça, donc Legendary. Hop là, c'est la Ocelot XA21 et comme vous le voyez, elle est à 2 375 000. Donc elle est vraiment vraiment pas donnée mais elle a l'air hyper hyper belle. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'acheter. Je trouve qu'en rouge elle donne trop envie, donc en rouge. Hop, commander. Garage de fonction numéro 1. Hop là. Du coup ce qu'on va faire, on va attendre qu'elle soit livrée. Et en attendant, on va se diriger directement dans mon QG. Hop là. Donc on va aller pouvoir voir ce qu'elle donne, la modifier, etc. au maximum, voir ce qu'il y a comme comme modification qu'on peut lui apporter. Et du coup et ben on se retrouve devant le garage. A tout de suite. Hop là. Donc voilà, on est arrivé devant le garage. On va aller au garage numéro 1 et voir à quoi elle ressemble, cette nouvelle Ocelot XA21. Garage de fonction numéro 1. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle donne. Je crois qu'elle est à l'autre étage. Hop là, c'est blindé aussi. Ben, elle doit être au troisième, je pense. Ah, je crois que je la vois, vous voyez ce que je vois, elle est vraiment magnifique. Je vais mettre en vue à la première personne pour que vous la voyez un peu mieux. Je la trouve vraiment sublime. Elle est certes très chère. Ah, surtout l'arrière. Franchement, je kiffe plus l'arrière que l'avant encore. Mais elle est vraiment hyper bien dessinée. Jusque là, ma super sportive préférée, moi, c'était la T20. Après, ça a été la Italy ProGen. Et là, je pense qu'à mon avis, ça va être celle-là. Elle est vraiment magnifique. À première vue, comme ça, moi, je dirais qu'elle ressemble vachement à la Aston Martin. Avec l'avant, comme ça. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Juste pour voir à quoi elle ressemble. Le tableau de bord est vraiment magnifique. Ça fait vraiment voiture de la vie réelle, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique comme ça. Hop. D'accord. Donc on a la table de bord avec le petit écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la modifier tout de suite. Et voir quelles modifications on peut lui apporter. Hop là. Ah, l'arrière, il est vraiment sublime. Bon, de toute façon, le blindage, vous connaissez. Ça change pas, le frein c'est pareil, pare-choc. À mon avis c'est là que ça va changer. Là, autant dehors je trouvais qu'elle ressemblait à la Aston Martin, mais là avec l'avant je trouve plutôt qu'elle ressemble à une comment ça s'appelle, à une Maserati, parce que le logo devant ça fait vachement ressembler à la Maserati. Hop. Ouais, ça j'aime pas trop, ça gâche un peu la beauté du... Ouais, la limite celui-là. Diffuseur arrière. Je trouve que celui de série, il est déjà pas mal. Hein. Ah. Celui-là, il est encore mieux. Ouf. Ah ouais. D'accord. Donc j'hésite entre le triple GT et celui-là. On va choisir celui-là. Hop là. Je trouve qu'elle est vraiment stylée comme ça. Moteur, réglage moteur. Bon. On s'en fiche. Ok, d'accord. Je sais pas si vous avez entendu, mais elle a fait un sacré bruit là quand j'ai
quand j'ai mis bloc moteur, je sais pas si ça peut se refaire. Non. D'accord. Waouh. Le bloc moteur est vraiment beau déjà. Bon, ça on s'en fout, on le verra pas dans le jeu en la conduisant, mais je trouve que le fait de penser aux détails comme ça, c'est vraiment sublime. Non, ça c'est moche. Avec les petits trucs sur le côté, c'est moche. Je trouve que... Ouais, là, je trouve ça un peu ça. Non, je trouve comme ça, elle est vraiment bien. Hop. Protection moteur. Ok. Non, je peux savoir ce que je vais choisir. Voilà, plutôt un truc comme ça. Avec des courbes, je trouve qu'elle est vraiment bien. Protection moteur, ça c'est bon. Hop, échappement. On a quoi comme échappement? Ah, ok, je voyais pas le... Ouf. D'accord, triple échappement octogonal. Octogonal peint. Chromé. Par contre, on voit pas trop avec la fumée, putain. Ça, ils auraient pas dû faire ça, parce qu'avec la fumée, on voit pas trop, du coup, à quoi ça ressemble. Ah, je trouve que le premier, il est vraiment pas mal. Un seul pot d'échappement. En plus, je suis pas trop fan des pots d'échappement qui sont ronds comme ça, les d'origine, j'aime pas trop. Ça aussi, ça peut être pas mal. Non, je vais laisser celui de série, il est vraiment bien. Calandre. Donc là, on a une finition chromée. Ah ouais, là, elle est vraiment sublime. Là, pour le coup, elle ressemble vraiment à la Aston Martin. Je sais pas si vous vous souvenez, dans James Bond. Elle ressemble vraiment à celle-ci. Calandre aérodynamique. Hop là. Donc là, c'est la même avec les machins barrés au milieu. Ok. Ah. Ah, celle-là, je la trouve vraiment bien. Calandre grillagé. Ok. Ça, bof. Ça aussi, je trouve que ça reste du même type que la calandre grillagée. Calandre chromé combiné. On va voir la différence. Ok. Ah ouais, on a le petit truc. Non, je vais rester sur celle-là. Je la trouve vraiment bien comme ça. Capot. Bon, déjà, j'aime pas les capots quand ils changent de couleur, donc... Voilà, donc ça, par exemple, j'aime pas. Ça non plus. Ça aussi, c'est pas ouf. Je trouve que comme ça, elle est bien, je trouve. Hop, capot double ventilation. Donc ça, c'est fait. Les klaxons, on s'en fout un peu. Ouais, je vais même pas en mettre d'ailleurs. Phare. Xénon comme d'habitude. Kit néon, on le met partout. Là pour le coup, on va le mettre en rouge. Hop là. L'éclairage, ouais, je crois qu'on a fini. Rétroviseur. Ça c'est pas mal. Rétroviseur carbone optimum. Léger. Comme ça, c'est mieux. Hop, plaque. D'accord. Plaque, on s'en fiche. On va mettre celle-ci en noir. Hop. Peinture. Peinture, j'ai mis rouge, mais je vais voir s'il n'y a pas un rouge un peu plus pétant. Ou comme ça. Je crois que comme ça, elle est vraiment belle, comme ça. Sinon, il y a comme ça. Comme ça, elle est vraiment stylée, rouge gracieux. Hop, on va mettre rouge gracieux. Couleur secondaire. J'aime bien mettre du chrome, ça change un peu. Ah ouais, je la trouve vraiment sublime comme ça. Et ce que j'aime bien à l'arrière, c'est les petits LED là à l'arrière. Je trouve que c'est vraiment beau. Hop là. En chromé en plus, ça rappelle la calandre devant. Chromé pareil. Ah ouais, non, sublime comme ça, je la laisse comme ça. Couleur finition, d'accord, donc là... On est à l'intérieur. Je pense qu'il faudrait mettre du blanc. Pour que ça ressemble. On peut mettre du rouge, mais ouais. Ouais, on va voir ce que ça donne quand même avec le blanc. Du blanc givré s'il y en a. Ouais. Je trouve que ça peut le faire avec le blanc. Mais... pas ouf. Je crois que noir, ça peut être pas mal aussi. On va laisser l'intérieur en noir, c'est mieux.
L'emblème de crew. Ouais, je trouve qu'il va pas trop sur celle-là. Le toit. Ah, je trouve ça pas mal le toit avec les générateurs en chromé. Ouais, je trouve ça bien comme ça. Bas de caisse. Bas de caisse, on va essayer de trouver un bas de caisse qui passe. Soit pas trop abusé. Ah, celui-là il a l'air un peu courbé. Regardez si je fais haut ou bas. Je trouve qu'il est pas mal celui-là. Ah ouais, par contre toi ouais, j'aime pas le fait qu'il y ait du noir sur la gauche là. Hop, on va laisser comme ça. Suspension. On va mettre celle de compétition. Transmission de course. Mais elle est vraiment trop belle. Tuning turbo. Roue. Type de roue. Alors, type de roue. J'aurais bien aimé ceux-là, mais juste les mettre en chromé. Mais vu qu'on peut pas. Ouais, ça change rien. Je trouve avec celle-là, ça peut le faire bien. Hop, alors. Ouais, avec celle-là. Je trouve qu'avec celle-là, ça va vraiment bien. Les soupadis là. Hop. Couleur de jante. Bah non, c'est bon. Apparence des pneus. Non, ça. C'est moche. Pneus à l'épreuve des balles. Ça, on est bien obligé. Fumée, on va mettre un peu rouge pour être. Hop. Fenêtre, comme d'habitude. Limousine. Et puis voilà, je crois qu'on en a fini. On a fait le tour. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour des différentes catégories pour la modification de la Ocelot XA21. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Juste les phares, si on aurait pu les changer, j'aime pas le petit trait qu'il y a dans les phares au milieu là. C'est quoi ? Moi, je crois que c'est juste un reflet. Mais je trouve qu'elle est vraiment belle comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà voir ce qu'elle donne dehors. Et ouais, pour l'instant, je trouve qu'elle est sublime. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Descendre du véhicule, sortir par le rez-de-chaussée. Allez, c'est parti. Started by